Précédemment dans Yu-Gi-Oh! Bonsoir, je suis Bob Lennon. Ah, ah, et bienvenue! Bienvenue sur Inscription! Aujourd'hui, on finit de jouer à l'univers en 2D! On est en 2D, c'est moche, ça veut rien dire. Est-ce que j'ai de l'argent? Je n'ai pas d'argent. Excellent! Pas d'argent! Rendons-nous, braves gens, dans la tour de Magnificus. Il est écrit « Salutations, si tu lis ça, c'est que tu veux me défier, moi, Magnificus, dans une partie de cartes. Mais pour obtenir ce privilège, il faudra d'abord vaincre mes trois élèves d'antan. Ou les trouver, à toi de les découvrir, bien cordialement, Magnificus. Ah. » Ok, j'ai pas eu le temps de dire ce que c'était, mais c'est un monocle, j'imagine. Ouh, un booster! Booster gratuit, tu as reçu un booster magique de Magnificus le mage. Ah, un robot vapeur. Ça coûte 6, mais ça donne 2, ok. Souris en acier, ok. Ah oui, mais c'est une souris, je suis con. Golem de rubis. Quand un golem de rubis meurt, invoque un mox de rubis à son emplacement. C'est fort, ça. Maître Blair. Si vous avez une gemme bleue, sacrifiez Maître Blair pour piocher 3 cartes. Ah. Et gourmage. Très bien, tout ceci ne mène pas, mais voyons voir. Ok. Il est écrit salutations. Si tu dis ça. Ah! D'accord. Ah! Bien oui! Ouah, c'est quoi ça? La douleur est insupportable. Mes organes sont en train de fondre. T'as vu, Magnificus m'a transformé en matière gluante pour mon examen final. Plus qu'un adversaire à battre, ensuite j'aurai ma place, celle que je mérite. À ma place, t'en méritais dans le jeu du maître. Je serai l'une de ces cartes préférées. Arrête pour m'arrêter. Ouais, un problème, c'est ton jeu. Ah, ton absence de jeu. Il y a 20 cartes dedans. Ah non, effectivement. Voilà, mes excuses. C'est mieux où on était-je ? Très bien. Ok, on commence et on n'est pas dégueulasse, comme j'ai envie de dire. Il m'affiche 3, mais c'est pas grave. Et ben je contre-attaque avec la quiche. Bouc, bouc, bouc. Voilà. Il y a un dos là. Il est insacrifiable celle-là. Elle va mourir du coup. Il vaut mieux la jouer comme ça. Allons-y. Hop. Drogueur est libéré. Et là, on peut en finir si on a de la luck. Trois. Bon, écoute, amplement suffisant. Bouc. Hop, ça tue. Bouc, bouc, bouc. Voilà. Il n'y a plus qu'à essayer à optimiser les coups. 5, c'est pas mal. Je vais rester sur 5. Et enfin... Oh ben c'est tout. Allons-y. Ouh, le blé. Oh, ça c'est beau. Allez. Exécutade. Non, s'il te plaît. Je t'en supplie, dis quand même au maître que j'ai réussi, il n'en saura rien. Prends ce booster. Je dirais rien du tout. Je peux t'ouvrir la porte. Nulos.
Voyons voir. On échange? Ah! Activation échange, change de 3 énergies, Steam Humage voit sa puissance, sa santé augmentée de 1. Ah, effectivement, les decks magiques, ça a l'air fort, mais... une énigme. Encore une énigme à la con. Un booster de pack. Mannequin sorcier. Oh, intéressant. Maître Blair, non. Accro aux gemmes. D'accord. Drone mitrailleur et wapiti. Drone mitrailleur, c'est bien, je vais la mettre. Ah, ça coûte pas cher et honnêtement, ça fait le taf. Et je vais mettre celle-ci et virer l'autre. Voilà, virer l'autre pour énergie. Excellent. Les yeux sans vie du mannequin se plantent dans les tiens. Puis sans prévenir, il se met à bouger. Oh merde! Le mannequin m'agresse. Mannequin mage. Zéro d'attaque. De toute façon, je peux rien jouer. Ok. Mais d'accord, il se passe rien. Mais Ok. Ah ah, un crâne. Très bon mouben. Écureuil en boule, oui. Oui. Excusez-moi, hein, je suis... D'accord, bras qui pousse, ok. Et elle. Très bien. Alors attends, gagne pas tout de suite. Il y a des choses que je voudrais essayer d'abord. Voilà, il y a des choses que je voudrais essayer. Ah, voilà. Ça que je voulais essayer, c'est très bien ça. Et ça, ok. Bien. Très bien. Supposément, donc, si elle meurt... Ah ! Ah oui, d'accord ! Ah ! D'où l'intérêt ! Je vois. Effectivement, c'est assez fort. Voilà, mais c'est très bien ça en fait. Ah, c'est cool parce que du coup, je vais pouvoir pulvériser ce robot et gagner un pognon fou en fait. D'accord, tout s'explique. Gros bronze du pilier, ah oui, j'avoue là. Aïe.
Bah là, on va se donner des petits frais, là. Après, malheureusement, j'ai bien peur que comment dire... C'est pas... En vrai, c'est... Ah, quoique, si dans le combat, on arrive à voir et Ouroboros et la chèvre, c'est auto-win, en fait. Parce que si on pose la chèvre et qu'ensuite, on arrive à poser l'Ouroboros, la chèvre, elle te donne 3 de sacrifice, tu vois. Et qu'apparemment, tu peux le faire autant de fois que tu veux. C'est le... Comment dire... C'est l'auto-win. Si t'as 6 os, la chèvre et Ouroboros... Et Ouroboros shall ensure complete global saturation. Voilà. Excusez-moi, hein, c'est un phare. Je vais aller jusqu'à 30, je pense. Ça a l'air honnête. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que 30, c'est honnête? 30, c'est honnête. Passionnant. Bah oui, mais que veux-tu? Le travail de youtubeur, c'est aussi un travail de fonctionnaire. Par contre, j'avoue, hein. T'as fini bientôt? C'est toujours mon tour. Je joue la carte Ouroboros. La carte Ouroboros! En utilisant le sacrifice de la chèvre. Je sais, c'est la 30e fois que tu le fais. Comme tu le sais, la chèvre ne meurt pas lorsqu'elle est sacrifiée sur le terrain et me donne 3 sacrifices par sacrifice. Tu l'as déjà dit 30 fois. J'invoque Ouroboros. Et je sacrifie Ouroboros instantanément. Et elle revient dans ma main. Très bien, et ensuite, quel sera ton coup? J'invoque Ouroboros. Ça fait 34 fois que tu le dis. Grâce à la carte chèvre du pharaon, elle ne meurt pas et me donne 3 sacrifices à chaque fois que je l'utilise sur le terrain. Oui, je sais. Et tu vas sacrifier Ouroboros. Ah ah, ainsi tu as vu ma stratégie. Oh, pitié. Je sacrifie. Pitié. Ouroboros. Et elle revient dans ma main. Comme tu le sais, la carte Ouroboros est infinie et se mange la queue et me revient dans la main automatiquement si jamais elle est détruite sur le terrain. Par pitié, je sacrifie! Oui, je sais! Yu-Gi-Oh! De retour après la pub. Yu-Gi-Oh! Je sacrifie, pitié! Combien de temps tu penses qu'ils vont encore rester sur le terrain? J'en sais rien, ça fait 13 heures qu'ils se battent! 13 heures? J'ai quand même un petit creux. Tu penses qu'ils tiendront encore combien de temps à ce rythme? Je ne sais pas. Yugi, je t'en supplie, Yugi. Fais en sorte que ta stratégie fonctionne. Je sacrifie! Ah, je sais! Ouroboros! Elle revient dans ma main! Grâce au pouvoir des bêtes du pharaon, je gagne 3 sacrifices par sacrifice des bêtes et elle reste sur le terrain. Je sacrifie Ouroboros. Je joue Ouroboros. Putain. Encore une fois, il n'a pas encore compris ma stratégie, alors que je peux sacrifier éternellement les bêtes du pharaon en ramenant Ouroboros dans ma main. Bientôt, grand-père, bientôt je pourrai te libérer du carte démoniaque de Pegasus. Je peux lire ton esprit, Yugi. Je sais que tu vas sacrifier. Je sacrifie Ouroboros et je la récupère dans ma main. Dans l'épisode précédent, je sacrifie, je sais, Ouroboros et elle revient dans ma main. Voilà. 3 épisodes plus tard. Oh, bon, tu me dis quand même, Félix. J'attaque, hein, avec Ouroboros, oui. La mort me prend. Je t'accepte en mon sein. Enfin, Yugi. Et ce n'est pas terminé, Pegasus. Oh non, je sacrifie quoi? Ouroboros. Et je la ramène dans ma main. Pitié, Yugi.
sacrifier ton écureuil pour varier. Ah ah ah, Pegasus, c'est une bonne stratégie, mais elle ne fait pas partie de ma tactique. Ta tactique, c'est de sacrifier Ouroboros. Ouais, je sais, ouais. Yu-Gi-Oh! Je me demande jusqu'où on peut aller. En même temps, ça farme l'argent. Yamelo! Yamelo, Yugi! Yu-Gi-Oh! Je sacrifie, pitié! Ah mais l'auto-cliqueur hein. Monsieur, vous ne pouvez pas quitter l'arène tant que le duel a encore lieu. Mais ça fait des jours. Ça n'a pas d'importance, monsieur, ce sont vos propres règles. Allez. Voilà, très bien. Dire, depuis le temps, braves gens, ça aurait été quand même fou. Hein. Allons-y. Bouc oh. Voilà, les fonds rentrent, là. Les fonds rentrent, on est pas mal, en vrai. Hein. Elle met son temps. Eh ben elle sera venue en... Hein ? C'est un bug ! C'est pas un bug ? Quoi ? Mais c'est pété du cul qui a fait ce jeu ! Les articulations du mannequin se remettent en place en grâce, il reprend son regard éteint. Mais à moi l'argent ! Ouroboros. Complete. Global. Saturation. I'm gonna have some fun tonight. Oh, I got to Ouroboros and it's alright. Oh, give me Ouroboros tonight. Give me the cash. I'm fucking six hookers tonight. Ba-da-ba-bam, bam, 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 ba-da-bam, ba-da-bam, bam. Pardon, excusez-moi. Oh la vache! Un peu plus d'argent. Une petite dernière. Y'a pas de raison. Y'a pas de raison. Nourrissons-nous, c'est frais. C'est sans conservateur. La gratuité, ma bonne dame. Ouroboros. Le lapin de Garen. Ouroboros, son. It hardens his response to physical trauma. T'es boniaque. Quel était le code? Si je me souviens bien, c'était L muscle L. C'est pas ça. Peut-être crâne muscle L. Ah, c'est ça. Mais attendez, du coup, il faut changer notre deck. Wait. Wait, je peux partir?
peux partir. On échange. Oh my god. Ça coûte combien? 1 Tu fais quoi là? Attendez, attendez, fermez vos gueules. Vous allez voir. Ok. Ok, sacrifice impossible. Quand Mox de Blair est sur ce plateau, accorde une gemme. Non mais d'accord, seulement quand Mox de Blair est sur le plateau. Ah non, c'est Mox de Blair. D'accord, donc ça, ça marche. Ça donne une gemme bleue et verte, donc c'est bien. Donc c'est gratuit. Ok. Il est où? Vous allez voir. Big Brain Energy. Maximum Brain Energy. Blablabla, je parle, blablabla, j'ai la tête sur une plique, blablabla, paraît-il c'est important. J'en ai trop. Exodia! Après tout, peut-être que je suis pas essentiel à sa stratégie. Je m'en fiche, il peut même utiliser comme une misérable obstacle. J'ai maîtrisé l'art de la déception. Prends ce booster. C'est parti. Ah, excusez-moi, la bouffe, je reviens. Allons-y. Le coffre ne contient qu'une seule carte, un lapin. Fort aimable. Tu refouilles l'endroit et remarques un emblème là où il y avait la carte. Ah ! Ce sont les personnes cupides qui trouvent l'emblème du haut. Ce sont les personnes au teint blafard qui trouvent l'emblème du milieu. Ce sont les personnes dures d'oreille qui trouvent l'emblème du bas, ou celles qui entendent trop bien. Ah, un crâne. Donc c'est elle, crâne. Et personne qui entend trop bien, faut écouter aux portes. Ah merde. Est-ce que c'est dans le son du jeu? Attendez. Il y a peut-être un indice.
C'est pire qu'un escape game. Hein. Écoutez. C'est peut-être dans la musique, attends. Les effets sonores. Non. Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah bien joué. Ah bah bravo. Ah bah oui. Bah c'est malin, tiens. Vent ? Stimulation ! C'était un test de privation sensorielle, vois-tu ? Pour libérer le plein potentiel de mon esprit, vois-tu ? Je l'ai libéré, vous m'entendez magnifique, je suis prêt ! Il faut qu'on se batte ! Ok ! Ok ! Oh, oh, oh. Oleno Turn. De l'eau. De l'eau. Oleno Turn. D'accord, ça marche que par rapport au nombre de gemmes aussi, je vois. Accro aux gemmes, lol. Oui, Noten, de l'eau. De l'eau. Doshita, Yugi. De l'eau. Ouroboros. Kitase. Bouk. La famine te ronge. Nandato. Nandato. Nani Masaka. Ah, ça veut dire que c'est un parti pour un tour. Je suis prêt. Comme quoi, on a trouvé le contre à Exodia, j'avoue. Je suis mort, mais quand même méchant de jeu vidéo. Watashi wa shinen, shinenzo. Facon punch. Book. Allez, voilà. C'était incroyablement stimulant. Ah, on n'avait pas encore fini. Si seulement je pouvais revoir la lumière, chanter, danser, tout serait quand même pas parti. Oh non. Ah, un robot boom. Okay. Si j'ouvre la porte, tu devras me rendre visite au retour et me libérer. Compris ? Ah ! Nous y sommes. Grimora, j'ai lieu de croire que la stratégie de JO3, Joe, on va l'appeler Joe, pourrait mener jusqu'à plus qu'une prise de pouvoir. À n'en point douter, cette grande transcendance va avoir des conséquences catastrophiques et imprévisibles. Cette note est incomplète et Stamine Bruce comment ? Je t'invite à réfléchir. Thank you.
Kraken géant. Kraken géant s'immerge pendant le tour de l'adversaire. La créature qui lui fait face attaque son propriétaire. Fort aimable. Cute. Ah, te voilà enfin. Comment trouves-tu mes élèves ? Peu importe, il y a des problèmes bien plus importants. Sais-tu donc quel genre de toile tu te retrouves peint ? En réalité, tu es le pinceau. Et l'artiste te déplace avec tellement de brio que ça en est effrayant. Mon œil me brûle. J'ai un pressentiment. Et je vois que tu cherches à me voler mon titre. Que c'est triste. Vois-tu, cela n'arrivera jamais, même si tu me terrasses. Mais il y a certaines règles à respecter. D'abord, nous devons nous battre. Admire le pinceau du scribe de la magie. Mes élèves mourraient pour effleurer ce pinceau et vivre pour toujours sous la forme d'une carte. Mais ses pouvoirs ne se limitent pas à cela. Cette carte est passable. Il lui faut un peu de savoir. Et maintenant un peu de couleur. Ah! Un bleu sort de son terrier. Ok, La musique est cool, hein. La musique est cool, mais je suis en train de réfléchir parce qu'il est en train de me baiser toutes mes strates. Il est en train de me baiser toute ma strate. Ouroboros nous sont retardés. Au secours! Au secours, il me baise mes strates! Oh, au secours! Qu'est-ce que ça fait, ça? Ne viendra jamais scribe de la magie, désolé. C'est un processus. Il suffit que je draw, il suffit que je lucky draw. Lucky draw. Anti-Exodia, au secours. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, bon. Du coup, malheureusement, ça ne marche pas, mais ça marche. Alors, prenons les cartes 100 déjà. Ça, on aime. Ça, on aime. Ça, on aime. Ça, on aime. Ça, on aime, pourquoi pas. Ça, on veut. Ça, on en veut une. Ensuite, ça, on aime. Ça, on aime. Ça, on aime. Ça, une, ça peut toujours être sympa, mais bof, en vrai. Ouh, ça, c'est fort, ça. Ça se transforme en un truc fort. Ça, on aime. Ça, on aime. Ensuite. Ça, on aime. Ça, on aime. Et enfin, dans les cartes Mox, on a déjà un deck. Pouf, pouf.
gratuit, merci. Ah, et bien ça ne servait à rien, bien, forcément. Ah oui, ça ne sert à rien, bien, forcément. C'est génial. Bon. Et ça ne booste que les cartes Mox, donc ça ne sert à rien. Donc ça veut dire que je peux la jouer. Ouais, je peux les garder ces cartes. Voilà, ça me fait un os. Je tire à lapin. Je perds 2 points, c'est pas grave. Il faut des cartes avec des points d'attaque si possible. Ça ne marche même pas. Ça me permet juste de tirer des cartes par rapport aux cartes Mox présentes sur le terrain, ce qui ne marche pas, comme expliqué précédemment. Ça, par contre, ça pique, donc ça, c'est garanti. Ça, c'est bien to stall for time. Ça ne marche plus. Mais au moins ça marche, et donc elle va rester sur le terrain, et ça par contre c'est une très bonne chose. Eh bien sûr. Quel enfer. C'était très con de ma part. J'ai potentiellement perdu de la game avec ce misplay. J'étais en train de me débrouiller et je me suis chié dessus. Merde! Oui, bah forcément! Au lieu, moi, il va me faire gagner du temps. Forcément, ça marche pas non plus. Génial. Je peux pas le sacrifier. Là, en l'occurrence, ok, je joue le squelette, ça tue. Je suis en train de gagner du temps, hein, brave Jean. Putain, forcément, ça marche pas. C'est de faire des vrais dégâts. J'aurais dû jouer la mantis peut-être. Non, c'était mal. Ça la tue. C'est pas grave. Voilà, tout va bien. Thank you.
Quel emmerdement! Quel emmerdement maximal! Je give up. C'était de ma faute. Pouf, pouf. De toute façon, tous les super-pouvoirs ne comptent pour rien. Il va y avoir beaucoup de morts, donc il nous faut des sacrifices. Ça, c'est des cartes qui sont vachement fortes, du coup. L'énergie, c'est quelque chose qu'on aura aussi à l'excès, à mon humble avis. Pareil pour lui. Ça, c'est gratuit. Et là, on peut jouer les cartes Mox. Mais le problème, c'est que... Ouais, bof, hein. Pof, pof, pof. Du coup. Je prends des cartes sacrificielles pour pas cher. Voilà. Écoute. Et enfin, on sait jamais. Allons-y. Très bien. Alors, vas-y. Ce coup-ci, il repeint tout. Il repeint toutes mes cartes et change mes stratégies. Très bien. Mais excuse, j'étais en train de réfléchir. Donc là, j'ai un lapin gratuit, ce qui me fait plus de sacrifices. C'est cool. Encore du lapin gratuit, c'est génial. Super. Avec ça, malheureusement, j'ai pas grand-chose pour commencer à me battre. Au prochain tour, par contre, je pourrais commencer à me défendre. Je vais le mettre là. Et je passe mon tour, rien que je puisse faire. Il fait un peu mal, il est ok, il se perd. Le grizzly, il est là, c'est cool. Alors... Fait 1-1. Donc ça, je vais tuer ça et je vais buter sa saloperie. Ça commence. Ensuite, je joue le lapin. Et ensuite... Ah merde, ça n'a pas buté sa saloperie. Bon, c'est pas grave. Tu me diras. On va commencer par buter ce connard, là. En plus, ça me fait assez de... Ouais, voilà, ça me fait assez de jus pour buter cette saloperie. Super. Ça me fait un lapin de Garenne. Allez, déjà ça calme tout le monde. Il fait d'autres dégâts, mais c'est pas grave. Je le vis bien. Parce que je joue ça. Ce qui me fait gagner un lapin supplémentaire. Je sacrifie toute cette merde. Et je lui roule sur la queue. Voilà. De la puissance brute. C'est ça qu'il faut face à Magnificus. Faut pas jouer les stratégies, faut pas jouer les stats, faut pas jouer rien du tout. Faut jouer la gifle. La gifle. Alors, quelle est son astuce? Ah, mes compétences diminuent avec l'âge. Je pense que j'ai besoin de peindre mes propres cartes à nouveau. C'est marrant, ça ressemble à l'œil que j'avais sélectionné dans le deuxième épisode. Ou le troisième, je sais plus. Mais c'est cool du coup. Ah bah oui, bah c'est le sien. Ah, c'était le sien.
Celui-ci, c'était le sien, c'est parce qu'il avait perdu, tout s'explique, tout est lié, bien sûr. Ça fait du sens. Ça fait beaucoup de sens. Alors, je sais pas ce qu'il a dit ou ce qu'il veut faire avec ses super pouvoirs, mais nique sa race. Allez. 300. Merci. Très bien. Voilà. Est-ce que je peux reprendre ma méta Ouroboros, s'il vous plaît? C'était le loup borgne aussi, ça j'avais reconnu. Bien, le combat étant terminé, je peux maintenant parler, vois-tu. Mon œil, il me brûle, car il se souvient qu'il a été arraché par nul autre que l'échi scribe des créatures. Et il en fait une belle de créature, arrogant, farouche, obsédé par le pouvoir. Mais il n'est rien face au pire scribe qui est sur le point de régner sur toute chose. Vois-tu, la perte de mon globe oculaire est loin d'être la pire chose qui puisse arriver ici. Il faut surtout que tu... D'accord. Maître heureux. Quand Maître heureux inflige des dégâts directs, t'as pioché une carte pour chaque point de dégâts infligé. Oh, c'est fort ça. Tu peux sans doute faire des choses folles avec. Et quoi ça? Je peux pas le... Attends, du coup, il faut que je refasse mon deck, parce que... Quel emmerdement, voilà. Est-ce qu'un deck magique, il passe, du coup? On peut tester, maintenant. Surtout que maintenant, on a les cartes, en vrai. Alors, attends. Ouais, ça, c'est gratuit. Ça, c'est génial, ça donne tout. Ça, c'est aussi. Joue Ruby et Saphir, on oublie le vert. Marchand. Il est là. Bonjour. On échange. Vas-y. Donne-moi de tout. D'accord, et ça cycle. Ok, je vois. Ok, ça cycle. D'accord. Bleu vert et bleu rouge en vrai. Hop, voilà. Excellent. Carte récupérée. D'accord, c'est la collection, ok, je vois. Intéressant, intéressant, mais inintéressant, si vous voulez, braves gens. Hein. C'est pas ce qui nous intéresse. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. Ce que je voulais aller faire, c'est aller récupérer des animaux. Des animaux, je le savais. Dans les marchands respectifs. Qu'est-ce que tu proposes, frère? D'accord, il cycle. Ok, très bien.
Donc cet endroit, il est rincé. Attendons, chez la zombie, chez Zombie Girl. Allons-y. Le marchand. On échange. Il en faut plein parce que c'est bien. C'est marrant ça. Le bateau fantôme. Ah oui, c'est celui qui invoque des squelettes. C'est super fort ça. Une cueillie sans tête au bol fragmenté. De chaque. Prendre un bateau fantôme. Sur ma. Des câbles. Tu viens me défier, voyons un peu ton jeu. Muscle ton jeu, muscle ton jeu. Que des cartes faibles, pas la moindre synergie. Ce tas de cartes n'a aucune chance contre moi. Écoute, j'essaie de terminer ma liste de contrôle de cyborg, mais les robots qu'on m'envoie sont médiocres. Dis à la main d'œuvre de m'envoyer quelque chose de bien, même se jeter sur la chaîne de montage s'il le faut. Et je t'en prie, quand on aura fini, reviens avec un deck potable. Oh, un booster pack. Saut de courbe. x4 d'énergie, ok. Robot vapeur. Ça attaque, mais du coup il explose, donc faut pas qu'il attaque. Lui il vole, mais du coup il va se faire qu'éblose, donc faut qu'il attaque, fasse 2 points. Ça explose, mais on peut le déplacer. Voilà, on peut le déplacer, donc ça fait 3. Et ça il peut pas avoir de dégâts. Ah d'accord, donc il faut qu'il explose, il va tuer ça, il va faire 3, ça fait 5. Merci. Hop là. Très bien. Oh, 2 cartes. Eh hey. Sectodrone. Fusil à plasma. En activation recherche, charge d'énergie, inflige un point de dégâts à la créature qui bloque fusil à plasma. Stylé! Alors, ça, je sais pas ce que ça veut dire. Mais on peut pas le bouger, donc il va falloir faire avec. Un souci, là ça fera 1-2. Plus 1. 1-3-4. 3. Ah là, là voilà. Parce que du coup ça va lui faire plus 2. Voilà, et il va faire tac, tac. Voilà, très bien. Excellent. Hop. Robot photo. Robot photo inflige dégâts à une autre créature, celle-ci meurt. Quand une créature change d'emplacement arrive devant robot photo, elle subit un point de dégâts. Putain, il est fort le truc, eh. Putain, c'est un robot de défense ultime. Il a l'air fort le deck robot. Je regarde de ne pas l'avoir pris tout de suite, tiens. Ok, peut-être. D'accord, j'ai mal compris, mais c'est pas grave, allons-y. Plus 1. D'accord, ça ferme le circuit et ça donne ce que ça donne sur les cartes. Ok, je vois. Très bien.
Quoi, qu'est-ce que tu veux? Tu ne vois pas que je suis occupé? Quoi, Joe n'est pas content de ma productivité, mais je ne suis qu'une inspectrice. Pour embrocher le meilleur robot, j'aurais besoin de mes quiétudes pour jouer le messager de Joe. Joe me ferait confiance qu'à une personne qui sait à peu près jouer aux cartes. Je suis très occupé, mais je dois savoir si t'as les qualifications requises pour me donner des ordres. Très bien. Eh ben, si ça te fait plaisir, je vais te botter le cul. Bloque une créature. Compléter un circuit, mais n'accorde aucun effet. Il faut une gemme orange pour jouer. D'accord, je vois. Toi, t'as pas le droit de jouer. Et toi, je vais détruire ton circuit. Hop ! Voilà, très bien. Il faut une gemme orange pour jouer cette carte. Tant pis. Boop. Ah, il faut les deux gemmes sur le terrain. Sinon, ça se joue pas, d'accord. Oh, pour l'instant, tout se gagne. Oula, oula, il y a 3 de puissance, mais on... Aïe, aïe, aïe. Insta-kill, merci d'avoir joué. Je peux pas la jouer. Ouais, le deck de magie, je suis pas chaud, hein. Vraiment, comme vous pouvez le voir, c'est chaud, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Là, enfin, on débloque, mais... On débloque, mais on n'y est pas, hein. Enfin. Oh là là, le message de Joe doit être vrai alors. Comme je te l'ai dit, je ne suis qu'une inspectrice, pas une ingénieure ni une conceptrice. Je ne peux envoyer d'autres robots, mais je peux y aller moi-même. Je suis fier d'avoir servi Joe avec loyauté et mes respects. Stylé! Stylé, il a des larbins, il meurt pour lui. Classe! Ouais, mais ça prend des plombes à faire un truc. Le deck magie, c'est de la merde. Alors, je l'ai dit, hein, le deck magie, c'est de la merde. Ça, c'est bien parce que c'est pas cher, c'est du sacrifice et de faucon. Allez, vendu. Vendu. Avec ça, déjà, on est mieux. Le Kraken, c'est fort, en vrai. Bah, ça fait 1-1, si tu veux. C'est de la merde. Ça doit avoir un pouvoir spécial, je le prends. Voyons voir. Alors, on veut 2 sur 4. Voilà. Facile. Logique, parce que ça dépassait, sinon. Ok. 4 sur 5. Alors... Là, et on s'en bat les couilles. T'as pas le circuit. Ah non, c'est le moins 1. Excusez-moi, j'arrive. Alors qu'il n'est pas dans le système, justement. Ah, c'est une carte, ça! Ah, tout s'explique! Mais excuse, m'avez vu galérer comme un débile. Excusez-moi. Voilà. Sauf que Nictara, c'est pas là, très bien. J'avais pas compris. Mes excuses. C'est que cette merde. Laisse-moi travailler. Qu'est-ce que c'était que ça? Nous sommes, je suis la fondeuse, on m'envoie des matériaux bruts et je veux bien te voir la machine en action. Laisse-moi sortir, ne dis plus un mot, devons faire une partie de cartes. Ok. Très bien. Si ça t'excite, voyons voir. Alors toi, tu viens fermer le pattern et ça me casse les couilles.
de fait, voici ce que je propose. Voilà. Bouc, bouc, bouc. Bon, je vais prendre la max, là, du coup. Moi, je fasse des choix qui soient qualifiables de drastiques. Je fais les choix qualifiables de drastiques. Voilà. Oh, intéressant, ça. Bouc ! Et ça détruit tout. Ce qui les rend inoffensifs. Je peux balancer ça, ce qui me donne un os. Voilà. Je fais exprès. Je fais exprès, brave Jean. Voilà. Activation requise en échange d'un os. Ajoutez un squelette à votre main. Très bien. Ça les re-ramène. Ah, c'est fort, en vrai. Je sais ce que je fais, rassurez-vous. Je sais ce que je suis en train de faire. Je vous prie de vous, je vous prie de me croire que c'est un risque calculé. Merde, j'ai gagné. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Tant pis. Trop calculé. Aide-moi ! Quelle bataille, bon cela étant fait, qu'est-ce que tu es venu me dire ? Je veux de meilleurs robots pour son scanner, c'est compliqué, je fais fondre le métal, mais je peux pas reprogrammer la ponçonneuse. Il y a moyen d'envoyer au moins un autre robot. Ah ah ah, oui, pour Joe. Ah ouais, let's go. Wouah. Et il ressort, c'est un tas de merde. Il ressort, c'est un tas de merde. Eh ben. Ah ouais, quand même, hein. Le mec, il a des larbins dévoués, hein. Voyons voir. Plus un. Et on veut 3. Ça marche. Impeccable. Ok. Moi,
Moins 1 plus 0, moins 1. Parfait. Voilà. Je suis content d'avoir compris les énigmes, si tu veux. Excellent. L'ami, je sais pourquoi tu es là. Tu veux que je plonge? Mais je peux pour l'ami. J'ai des ordres, toi. J'essaie de remonter quelque chose de spécial. On peut faire un duel. Ouais, je peux peut-être même donner un truc si tu gagnes. Mais je peux pour plonger, Joe le saura. D'accord. Donc c'est un robot pêcheur. Très bien. Beaucoup d'os, beaucoup de sacrifices, beaucoup de choses. C'est un tour où il va rien se passer. C'est quoi l'ami, il faut absolument que je retourne au boulot. Tiens, prends ça. Tiens, ton booster. Oui, d'accord. Allez, maintenant, faut que je me concentre. Ah, Joe va me donner déjà le pop contre celle-là. Bye. Fais de l'air, Oust. D'accord. D'accord, d'accord. Ok. Oui, un coffre boost. Allez voir. Oh, attends, c'est quoi ça? Ça a l'air d'être un robot musclé. Double mitraille, fort ça. Et un chien, x6. Cyborg d'énergie, ok. Effectivement, ça a l'air pété. J'attends qu'il parte au-dessus, le morceau corrompu là. On attend désespérément. Allez, allez, c'est un processus. Hein. Est-ce qu'il apparaît en haut ou est-ce que c'est bien foutu? Ah, voilà. Bon, ben ça va être long. Hein. Ça va être long, ça va être chiant, mais que voulez-vous? Curiosité n'est pas de trop. Curiosité n'est pas de fait. Très bien. C'est un composant avec un symbole chelou. Il a l'air d'être très vexé. Prenez un coup de... Moi, je bois. C'est un processus, hein. On a le temps d'épicer, mais allez-y, allez-y, hein. C'est un processus. Alors, on attend les morceaux de Satanus. Hein. Au moins, le jeu est honnête, hein. Il permet de le suivre. Hein. C'est comme Undertale, c'est bien foutu ce jeu. Allez. Allez! C'est un processus! Moi j'en quille le poteau en mode Mbappé. Oh, 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 oh. Plus, ça ressemble même pas à une Game Boy, il a l'air dégueulasse le morceau. Les robots sont toujours aussi mous, mais t'as réussi à battre toute ma manœuvre et en plus t'as gagné. Redonne-moi ton deck.
Ouah, tu l'as battu avec ça, très bien. J'ai peut-être raté quelques synergies, c'est parti alors. Ah! Tu vois ces tapis roulants, il y a les mêmes dans mon usine. A minima, ils permettent de mettre à l'épreuve la position de tes cartes. D'accord. Intéressant comme début de demain. Pour les notons. L'eau. Tout va bien. Ouais, je vois. Tu as compris comment ça marche? Ok, c'est ton tour. Ça a tué le chat, mais c'est pas grave. Un os à la main en échange d'un os, ok. Convertis tous mes os. Je convertis tous mes os en cartes. Je joue ça. Je pose cette carte là. Je joue tout ce qui existe. Voilà. J'ai le droit à un loulou. Le loulou est moins cher que gratuit. Merde, il faut que je sacrifie ça. Tac, tac. Voilà. Il le tue parce que ça explose. Il déterre des os, mais on s'en bat les couilles. Le loup est, est devenu très fort, soudainement. Il y a peut-être des dégâts à rattraper, mais il y a des sacrifices à faire. Donc non, continue à juste buter toutes ces cartes. Sache pas ce que c'est, un automate. Il met un dégât, on s'en fout. Ça, c'est bien parce qu'il va faire grave le ménage. On peut le sacrifier gratuit, lui, c'est cool. Voilà, ça tue lui aussi derrière. Voilà, très bien, il va faire 3 points de dégâts. Le Kraken géant, excellent. Je vais jouer le micro-squelette. Je vais jouer ce squelette et je vais le sacrifier pour le Kraken géant. Allons-y. Bouk, bouk, bouk. Ah, j'aurais pas dû, c'est une erreur. Si, c'est bon, il l'a tué, Dieu merci. D'accord, et c'est devenu un truc des profondeurs. Tentacule miroir qui a une puissance égale à la créature qui lui fait face. D'accord. Fort heureusement, on vient de débloquer le Mantis God. Et ça, c'est chier. On va pouvoir la poser là. Le chien de garde, il est là. Mais l'écureuil le met là. Et c'est 3 points de dégâts gratuits. Voilà. Plus 3 points de dégâts au prochain tour. Merci d'avoir joué. Allez! Le scanner est allumé. Alors, quelle carte scanner? Je plaisante, celle qui dispose des meilleures statistiques, évidemment. Elle pourrait avoir de meilleures statistiques. Ah ouais. À toi de jouer. Ah. C'est effectivement fort. Hein. C'est fort, c'est fort. Après, on va faire le ménage, là. Bouc, bouc, bouc. Voilà. Donc, finalement, tout va bien. Merde, par contre, ça, c'est marrant. Ça m'arrange pas du tout. Bon, après, on a quand même l'avantage.
On a assez d'eau pour jouer le gros truc sacrificiel de fou furieux. Et bon, on joue pour la peine. Hop. On garde. Et de toute façon, on a gagné. Allez hop. Ah mais non, je suis con. Forcément, oui. Voilà, de toute façon, on a gagné, disais-je. Voilà. Parce que c'est France pour laisser place qu'à un os. Enfin, c'est que de la chance. J'imagine que même une partie sans la moindre erreur ne se fait pas le poids face à une bonne RNG. Hahaha, il est salé. Zap. Allez. On dirait que t'as gagné. T'as pour ambition de devenir script de la magie, comme ce vieil escroc. Tu devrais réfléchir à deux fois. Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh. Fort aimable. Et des saloperies, très bien. Il dit rien. Ok. Et à gauche, j'imagine, il y a le marchand. Super. Ah, il aurait tombé là, d'accord. On échange. Ah, le module Mox, il est pété, en fait. D'accord. Ok. J'achète des boosters. Y a rien qui m'excite dedans. À part ça, mais le reste. Bon bah écoute. Je vais te dire, est-ce qu'on n'aurait pas fait le tour? Alors, y a un truc qui me dérange cependant. Voilà. Je voulais tester un truc et j'ai pas eu l'occasion de le faire. J'ai essayé plusieurs fois et je suis désolé. Mais j'étais pas assez big brain énergie pour le gérer intelligemment. De fait. Putain, il est où? Ah, une. Il semble que j'avais l'autre aussi. Ah! Ah! Et ça donne donc une obole. Et une obole, c'est un synonyme pour le mot offrande, braves gens. Et donc, de fait, c'est peut-être une offrande qui va plaire à l'autre connard aussi. On profite pour se refaire de l'argent. Ah, pas de mystère, c'est offert. Excellent. Très bien. Mais du coup, elles sont vides. LOL. Ah, bon bah tant pis. On les vire, de toute façon, c'est pas grave. Les savants fous d'abord aussi. Il nous faut pour des expériences des doubles. Ouais, tu voulais des rats. Prends tes rats. Tiens, des mulots. Ferme les yeux, ça va gicler. Oh. Très bien. Tu veux voir ce qu'on a fait? Double rat. Donc ça rajoute deux copies de cette carte dans la main. C'est pété. Nos expériences, deux des mêmes. Ah, il veut deux robots sentinelles. Tiens. Ne regarde pas! Ok. Putain, il est vachement efficace du coup, il tire deux fois en fait, c'est fort.
Il nous faut des doubles. Je sais pas ce que c'est comme magicien, mais let's go. Si on peut fusionner tout ce qu'on a, let's go, hein. Ça fait juste des cartes très fortes. Sport hommage bleu. Ah putain, il tire double carte, c'est fort ça. Attends une seconde. D'abord, est-ce qu'on peut fusionner deux fossoyeurs? Voilà, moi j'ai peur que ça me fasse avancer en fait. Je veux pas avancer, je veux fusionner mes cartes. Yu-Gi-Oh! Ah merde, il a plus de double main aussi. Tu as trouvé une étrange clé, à quoi peut-elle bien servir? On ne sait pas. Et je vais être sincère, ça ne m'intéresse guère. Ce que je veux savoir, voilà, c'est est-ce que je peux avoir les mulots? Alors après, 2-2. Oh, 2-2 pour 2, et puis ça te donne 2-2. Hein. C'est pas si avantageux. C'est pas si avantageux que ça. Par contre, de ce côté-là, ouais, les full fossoyeurs démoniaques, ça, par contre, les super fossoyeurs, c'est génial. Voilà, super fossoyeur, ça, c'est super. Bateau fantôme, tout ceci, vache sacrificielle. Ça, c'est les machins Mox Moxie. Ça se fait quoi, ça? Madame Boom invoque des photos robots boom sur tous les emplacements. Oh, c'est stylé, ça. Madame Boom. Ah, putain, oui, ça, voilà, ça. Sport mitrailleur. Il est où? Ils sont, mes robots d'assaut? J'en ai pas plus que ça? Enfin, ça coûte qu'un, hein. J'en veux d'autres, hein. Voilà, j'ai un gros deck, mais moi, il me va. Moi, il me va. Gros robots, des souris, souris cyberbioniques, sa race. Là, écoute, très bien. Et dans les mages, dans le deck de Palapin de Magicien, malheureusement, le deck de Palapin de Magicien ne se fusionne pas très bien aux autres decks. Hein. Y a pas vraiment de synergie, si tu veux. Donc ça marche pas. Allons voir la crypte. C'était où? C'était à droite, c'est ça? C'est là. Allons-y. Bourrasque ses capes de la crypte. Aha! Une obole antique. Ah! C'est une belle offrande. Oh! Oh, Mushiro! Oh, Mushiro! Mes pensées exactement. C'est une cage thoracique, c'est le cadavre d'un gars. Il a des cartes. C'est des vieilles cartes de tarot. Ouais, par ça c'est un bouton si tu veux. D'accord. Ah, et c'est Satan dans Isaac. Super, bonjour le Satan. Au fond d'une caverne immense, plus profonde dans les abysses, tu t'approches du roi des eaux, tu t'approches de moi. Oh, oh, Katekul encore. Tu l'entends, l'archime ancienne donnée? Elle gigote et court en tout sur son passage. Elle invente des images impénétrables. Ne m'approche plus jusqu'à ce que tu promettes de me vénérer, de la vénérer. Je vois que tu es de bonne foi, parfait. Tu ne comprends peut-être pas ce qu'elle signifie, même moi je ne comprends pas totalement, mais tu apprécies son pouvoir. L'archive ancienne ne prend rien, elle ne donne rien, mais moi si. Accepte mon offrande. Oh. Tu as trouvé une carte sur le pédestal. Le corps du roi des eaux. Activation rochie en échange de 1, gagner 3 eaux. Oh, rentable! Fémur du roi des eaux. Son propriétaire obtient des eaux au début de combat. Fort très bien, fort 8. Excellent. Je prends. Merci. Nous nous reverrons. Ok. Il m'a filé une de ses cornes. Eh ben Satan, il est de bonne humeur si tu veux. Ah, depuis Dante's Inferno, il a rangé sa bite. Hein. Toujours agréable. Au revoir, Grimora fort aimable. De toutes, c'était la plus gentille. Alors, je vais retourner là. Le temps est venu, prétendant. Choisis le scribe que tu veux remplacer. Eh ben, je voulais remplacer lui. Mais je me rends compte que remplacer le robot, c'est plus stylé. Hein. Let's go. Remplacer Joe et devenir scribe de la technologie. Ouais!
Ouais. Parce que le reste, ils sont à chier, si tu veux. Va pas te fouiller. Oui, j'ai eu deux tentacules qui m'a donné une carte. Mais let's go. Pactiser avec Satan pour du Yu-Gi-Oh! Oh, stylé! Ah, bande d'idiot! Oh, tu m'as choisi, super. Je peux sauter le moment où les scribes se plaignent. Finissons-en! J'ai des gros coups à jouer. Tu es censé affronter l'honorable scribe de ton choix, et pour la finale, tu seras face à une version améliorée. Ça va être différent. Oh. Ouroboros. Complete. Global saturation. Book. Je vais laisser ça là. Je dois bien reconnaître le mérite de ce docker. Il n'est pas si inutile que ce que je pensais. Ah! Squelette s'effondre. 32 PV. C'est parfait! Curibourg en mode T'as fini de me fixer bêtement? On peut commencer? Bien. Voilà Botopie. Autrefois, c'était un vaste paradis technologique. Là-bas règne 4 hyper-robots. Voilà. Il faut que tu ailles et que tu les battes. Pourquoi? Pour la grande transcendance, quelle question. Peu importe ce que ça veut dire, tu vas le faire, d'accord? Te lever? Ah non. Il nous faut accomplir la transcendance. Ah non! Ah! Hein? Mais le jeu, il est infini! Est-ce que t'affrontes 4 fois sur 4 plateaux de jeux différents les 4 scribes? Je suis même pas à 50% du jeu! Au secours! Personne ne peut t'entendre. Réessaye.